Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne Math Rachid. Aujourd'hui, on va travailler sur le texte 6. Texte 6, d'un النص رقم 6. عبارة عن مثل. Donc, une expression du jour. Mettre tous ses œufs dans le même panier. 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 Fa معناها أنك لا تضع البيض كله في سلة واحدة. لا تضع البيض كله في سلة واحدة. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc mettre, il y a le verbe ou le fil da, tous ses œufs, albayt, j'ai mis albayt, dans le même panier, yani finafsi celle-là. Mettre tous ses œufs dans un panier, yani fi sallatin wahida, dans un panier. Mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le même panier, le même panier, finafsi celle-là. في نفس السلة. إذن أو في سلة واحدة. في سلة واحدة. Donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. لكن نقول ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire mettre tous ses œufs dans le même panier. Et نحن نقول لا فعل أمر. نأمر شخص معين بأن لا يضع جميع أمواله في سلة واحدة بمعنى في مشروع واحد. Donc, je vous donne un exemple. J'ai acheté un appartement, mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes six œufs dans le même panier. Et jumla, mettre tous ses œufs dans le même panier. Jumla okhra, les nas. J'ai acheté, voilà, j'ai acheté sur le verbe acheter. Au passé composé, c'est bien l'auxiliaire avoir. J'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté un appartement. Un appartement. Yani, choukra, menzil. Un appartement. J'ai acheté un appartement, mais je garde de l'argent sur mon compte. Je garde de l'argent sur mon compte. بمعنى أنني اشتريت شقة منزل لكن أحتفظ بالنقود في حسابي بمعنى حساب بنكي أو حساب وكالة بنكية معينة. Donc je garde de l'argent sur mon compte. Je garde de l'argent sur mon compte. Je garde de l'argent sur mon compte. J'ai acheté un appartement. اشتريت شقة لكن je garde de l'argent sur mon compte. احتفظ بالأموال في حسابي. Je ne veux pas mettre tous mes six œufs dans le même panier. Je ne veux pas mettre tous mes six œufs dans le même panier. Je ne veux pas la urido. Hein? C'est la négation. Je veux. Je veux. Il y a Eurido. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux. Tu veux. Il veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. C'est le verbe vouloir. Il y a Eurido. Maintenant, je ne veux pas. Alors, si on a ne pas, quand on a fait un peu de l'axe de la jumla, la Eurido. Alors, je veux. Je ne veux pas. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, mes œufs, il y a le jemediel, al-bayt. Il a besoin d'un goulou, un œuf. Il y a bayt un wahida. La communication est un œuf, un goulou, les œufs. Les œufs. Les œufs. Donc ici,
Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Le même, il y a nefs. Celle-là, dans le même panier. Au lard d'une goulot, je ne veux pas mettre tous mes œufs dans un panier. Dans un panier. Et une ficelle. Alors, je répète. J'ai acheté un appartement, mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai acheté un appartement, virgule. اللي كتكون هنا الفاصلة خصنا نسكتو، يعني نقراو دائما حتى الفاصلة، كنسكتو غير شوية ثم كنمشيو حتى النقطة عاد كنوقفو واحد شوية بزاف. Alors j'ai acheté un appartement mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. إذا هذه الطريقة أو القراءة الصحيحة. J'ai acheté un appartement mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Enfin, donc ici le sens de ce proverbe. Mettre tous ses œufs dans un panier. C'est-à-dire ne pas placer toutes ses ressources dans une même entreprise ou éviter, pour éviter de tout perdre. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire d'autres pensent qu'une expression campagnarde serait la mère de notre proverbe du jour-ci, mettre tous ses œufs dans un panier. Alors le sens, bimena, ne pas placer toutes ses ressources dans une même entreprise. Bimena, la tastatmir, yani jamia amwaluka fi nafs al-amal, yani fi wahed al-mashrou'. لأن تقدر هذاك المشروع يقع عليه مثلا فايت وكيمشي كل شيء. يعني كتفقد كل شيء. دونك هذا هو pour éviter de tout perdre. Je répète le texte. J'ai acheté un appartement, mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai acheté un appartement, mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai acheté un appartement. J'ai acheté un appartement, mais je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et d'une fois, le maintenant, يعني ديال وترجم لي النص هو أنني اشتريت شقة لكني أحتفظ بالمال في حسابي لا أريد أن أضع كل بيضتي في سلة واحدة. بمعنى لا أريد أن أضع كل أموالي في سلة واحدة أو في مشروع واحد. لا أريد أن أضع كل أموالي في مشروع واحد وفي النهاية يعني تفقد كل شيء. يعني هذا احتمال كي لا تفقد جميع الأموال. Pour ne pas ou bien pour éviter de tout perdre. On dit pour éviter de tout perdre. Alors ne pas placer toutes ses ressources dans une même entreprise. Voilà, مشروع. Pour éviter de tout perdre. إذن هنا أن تستثمر كل الأموال في نفس العمل أو في نفس أو في نوع واحد من الصناعة مثلا لجعل مصير هذه الثروة والسعادة كذلك تعتمد على شيء واحد. إذن لذلك يجب أن نوزع هذه الثروة على مجموعة من المشاريع. إذن ففي النص اللي كنهضروا عليه هو اشتريت شقة لكني أحتفظ بالمال في حسابي. أحتفظ بالمال في حساب في حسابي. Je garde de l'argent sur mon compte. Je garde de l'argent sur mon compte. Sur mon compte. Mon compte هو حسابي. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. لا أريد أن أضع كل بيضتي في سلة واحدة. C'est-à-dire je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier.
J'ai acheté un appartement. Ya ishtaraytu shuqqatan. Fi al-bidaya, sطر الاول ishtaraytu shuqqatan. Alors, j'ai acheté un appartement. J'ai acheté un appartement. Lakinni ahtafidu bil mal. Ahtafidu bil mal. Alors, je garde de l'argent sur mon compte. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. إذن في المعنى الإجمالي لهذه القولة هي أن يستثمر كل أمواله في نفس العمل في نوع واحد من الصناعة أو في ائتمان واحد لجعل مصيره وثروته وسعادته تعتمد على شيء واحد. إذن لذلك يجب أن نتجنب استثمار الأموال في مشروع واحد. نعتمد مجموعة من المشاريع يعني تزيد هذه الأموال على مشاريع مختلفة. إذن فالقولة باللغة العربية كذلك لا تضع البيض كله في سلة واحدة. لا تضع البيض في سلة أو كله في سلة واحدة. لا تضع البيض حيث البيض أنه قابل للكسر. إلى طاحت لك ديك السلة فكتكسر هذاك البيض كله كيمشي. إذن نفس الشيء يعني البيض خصنا نقسموه على السلات. كل سلة نحطو فيها شوية. كي الى ترست واحد السله كتبقى